Alors, je vais vous parler rapidement de la réanimation d'un état de choc hémorragique. Réanimation d'un état de choc hémorragique. Alors, Awel Khaj, c'est mon objectif. Les objectifs hémodynamiques, c'est un objectif. Réanimation, c'est la cause la plus fréquente, donc je n'ai pas dit. Réanimation d'un état de choc hémorragique. Mais je n'ai pas dit un état de choc cardiogénique. Je n'ai pas dit un état de choc hémorragique, parce que c'est la cause la plus fréquente. Je vais réanimer. Je vais augmenter la tension de mon malade. Jusqu'à combien? Elle est la question. Après, ce n'est pas là, la tension. C'est ce qu'on appelle les objectifs hémodynamiques. Alors, regardez, c'est des objectifs hémodynamiques avant de réaliser le geste d'hémostase. Je m'en ai. Maintenant, Et donc, je vais avant de réaliser un geste d'hémostase. Après, je vais avoir une autonomie d'hémostase. À titre d'un classique ou d'un vrai gilet, je vais rentrer ma mère qui sait, voilà. À titre de ce n'est pas la fonction. Voilà, j'ai bien insisté avant de réaliser le geste d'hémostase. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'à la fin, la fonction reste comme l'aise. Il peut saigner encore, tout simplement. Alors, on prend Meloul, hémorragie active, c'est un sujet jeune sans tard. Il y a un patient qui est en train de saigner. L'arme, l'être macarien, l'être médulé, il n'a aucune table. L'arme est conscient de la sous-carte, mais il se plaint de douleur abdominale avec une fracture abdominale généralisée, il faut suspecter une fracture de rate. Là, il faut tolérer ce qu'on appelle une hypotension permissive. Et en arme, on va se permettre de laisser le patient avec une légère hypotension. Alors, l'objectif, PA systolique à 90, on se laisse en bas de rate, ce qui correspond à peu près à une moyenne de 50 à 60. Et d'ailleurs, là, au jeune, sans tard, mal de fracture, trauma abdominal ou la bassin isolé, voilà la fémur. L'arme n'est pas carrière, elle est idée, hein, sinon on a toutes les accès. C'est pour nous. Donc je prends le deuxième cas de figure. Mal de jeune, voilà, il y a ma coronarien, il y a ma hypertendue, il y a ma insuffisance cardiaque, hein, c'est des patients qui sont habitués à avoir des chiffres fonctionnels élevés et qui vivent avec ça. Voilà la trauma crânien ou la médulaire. Alors là, il faut faire attention, on est entre deux feux. Quels sont les travailleurs? Certes, le cerveau il va être mieux irrigué, etc. Mais c'est pas vrai le saignement. Ok, on va tolérer ça, on va entraîner l'ischémie du cerveau. Il va mourir par l'ischémie du cerveau. Donc on est entre deux feux. Alors ce qui est recommandé, c'est des recommandations internationales. Il faut garder une PA systolique aux alentours de 12. Il y a une PA moyenne à 80. Allez, c'est 24. 24, il y a la pression de perfusion du cerveau. C'est la pression artérielle moyenne, moins la pression intracrânienne. Si vous avez une hypertension intracrânienne, pour conserver la VPC, la pression de perfusion du cerveau, il faut augmenter la PA moyenne. Tout simplement, hein, allez. Par analogie, la pression de perfusion médulaire, c'est la PA moyenne, moins la pression intramédulaire. Comme toi, allez, chef. Donc, traumatisé crânien, voilà la médulaire. Oui, la coronarienne, oui, la fondue, elle est habituée à des chiffres fonctionnels élevés, il faut faire attention. Donc, 90, ce n'est pas suffisant. Donc, tu fais, on va réanimer notre patient. Quatre choses. On va faire un geste d'hémostase. Pourquoi pas d'un moment, faire le plus rapidement le geste d'hémostase. 2, remplissage vasculaire. 3, transfusion sanguine. Et si jamais ça ne marche pas, et on n'a pas atteint nos objectifs hémodynamiques, utilisez la loi de la ligne. Parce que là, c'est un peu comme un état de choc qui se prolonge, il y a une base obligée. Voilà. Donc, un marchoïge. Remplissage, transfusion, geste d'hémostase et loi de la ligne. Logique. Alors, geste d'hémostase, me fait une fille. Les liquides de remplissage, là. Par quoi on doit remplir le patient? Parfois, la source familière, formalique cristalloïde ou formalique colloïde de synthèse. Alors, on est d'accord avec vous, mais la source propre, il y a tout le cas. Ça. Il y a que ce soit
ربي نجحته الكل ويقعدوا مش يعمل رياء ومش يعمل يقعدوا دونك فما لك السلوي وفما لك كل ميت بسانتيز On ne remplit pas par du sang glucosé. C'est un produit énergétique. Et si je dis que c'est un remplissage par glucosé à ça, peut-être que je vais. Donc, un sérum physiologique. Il y a des hypotoniques, c'est ça. Un sérum, produit par nutrition. Les cristalloïdes, pardon. Les cristalloïdes, comme un sérum physiologique, on va m'arranger avec la table. Rajah Rakat, contre-indiqué si bien en traumatisme crânien. Le Rajah Rakat est contre-indiqué si bien en traumatisme crânien parce qu'il est hypotonique et il est grave de l'incérébral. C'est-à-dire H. Pas de Rajah si trauma crânien parce qu'il est hypotonique et il est grave de l'incérébral. D'autre part, on a les colloïdes de synthèse. Elle est où ? Axe les colloïdes naturels. Les colloïdes naturels, il y a l'albumine, on a tout Avec les menaces en neige, on peut traumatiser un sort. On ne remplit pas le produit traumatisé par de l'albumine. Hein. Les colloïdes de synthèse. On a une place à gel, les géofusines, ou on a le volume. Et donc, on a un flou, c'est pas 35. Oh, génial. Et donc, on a les produits, il y a un flou. Donc, on a les choses là, on a les choses علاش ما عملش سيروفي وعلاش عمل ماجير وعلاش عمل جيوفيزي اصبر يا عم علاش قال لك بوك اكسبونسيون بوليتيك بين كي عاد في ايدرا سيروفي هذا شو هذا السيكتور بلاصه فيه ماكسيموم انكا ماكسيموم 25% جينيرالمون سي 20% البيت يكون لي شي بلانتيسيون دونك سا سير ابسولومون ريان وكي عاد في ايدرا بلاصه ماجير سعر ماجير وسيروفي ميم افيكاسيتي 20-25% Et j'ai l'officine, pas déjà. 1. On a dit hydra passager, hydra touché de placement. Hydra touché de placement. Le volume, les hydroxydes thylaminants, 140%. On a dit hydra volume, ça contient beaucoup de protéines. Donc, on a dit que c'est comme des thylaminants, ça contient de l'amidon. Ce sont des protéines. Ça va rappeler l'eau. Ça augmente la pression osmotique au niveau plasmatique, et donc ça appelle de l'eau, tout simplement. Donc, on a Et donc c'est éthylamidon, fermamidon. Le volume, n'a dit hydra, hydra, wapami. T'as même pas l'image à vous aider, allez, je me sens mal, je dis, ma volume, oui, t'as les filles à vous. Oui, t'as les filles à faire. Pas tout simplement, qu'elle me semble quel volume, je vais être exposé aux effets indésirables du volume, je comprends. Ou comme je me semble, c'est rempli, je vais être exposé au risque des effets indésirables du sang physiologique. Alors, le sérum physiologique risque de perdre et à l'hypernatrémie, quand il contient un peu de sodium, l'hypernatrémie et l'acidose hyperchlorémie. Dit par le chlorémie, t'en parles 140%. Donc, elle m'a dit pas que ça va lever. Ou à la fois que ça va se manger, le problème c'est que ça interagit avec l'hémostase. Ça peut entraîner des troubles de l'hémostase. Donc, arbre, et on vous touche. Zous, hydrate, colloïde de synthèse. Du moins de l'eau. Maximum 2 litres plasmagène, voilà 2 litres volumé. On a l'air sur le plan pratique à Khaldun, on a dit 20 litres volumé, 1 litre de sérotique. Les colloïdes de synthèse, ils ont l'inconvénient d'être aussi sur l'hémostase. Ils interagissent avec le facteur de Van Willebrand, qui est un peu tard pour les états. Voilà. Ma foule, on est. Alors, là, on peut venir sur le tableau. Le pouvoir d'expansion volumique de chaque prothèse va rendre le diabète de petit fond, donc 20% pour le rangier. C'est un salé hypertonique, elle est prothèse de petit mais retenez que c'est un cristalloïde qui est très efficace pour son jeu de classique. On a les gélatines et les hydroxyéthylamidons. Donc, on a les deux familles, cristalloïde, colloïde de synthèse. Ma foi ben. Alors, on a le remplissage vasculaire. Netadir, la transfusion sanguine. Non. Transfusion sanguine. Transfusion sanguine. Alors, transfusion sanguine fait transfusion des couleurs globulaires. Pour augmenter l'hémoglobine, on a besoin de couleurs globulaires. Transfusion de couleurs plaquettaires pour augmenter les chiffres de plaquettes. Transfusion de plasma T congelé pour augmenter l'OTP.
Donc PFC, ça augmente le TP, les plaquettes, ça augmente les plaquettes. Et fibrinogène. Alors, ce n'est pas des transfusions, les fibrinogènes, c'est des plaquettes. Elles sont glottagènes qui ont un gramme et demi de fibrinogène. Sachez que si on a une hypofibrinémie, il faut systématiquement donner de la fibrine. Quand on a des hémostases, on a la fibrine. Attention, j'ai le calcium pour la fibrine. L'hypocalcémie, elle est délétère pour l'hémostase. Alors, les objectifs. Qui est ma forme d'objectif hémodynamique? Forme d'objectif transfusionnel. Laisse l'hémoglobine compte supérieur à 10, c'est pour les traumatiser. Avec l'arbre. Les hommes compte supérieur à 10. اللي يحب يفهم علاش ونعرف ما تشدوا كلمة تفهم من خاطر كان باش نبدا نعمل هكا كلش تفهم شيء شنو حسب رايكم علاش الهيموجلوبين شكون عزيز؟ صحيح على خاطر هذا عندكم فيسو سونغان وهذوما عندكم لي باكيت هنا وعندك هنا لي جلوبول روج سيت ان بوت غيولوجي هذوما لي جلوبول روج بلو فوز افيغ لي جلوبول روج plus ça va pousser les plaquettes vers la périphérie, ça va favoriser l'adhésion des plaquettes à l'endothélium. Quant au aller, il faut avoir le maximum de globules rouges dans l'organisme. TP, laisse le compte supérieur à 40%. Alors, si c'est un traumatisme crânien ou elle la médulaire, dis-moi que pour le traumatisme crânien, il faut extrapoler le médulaire Z. Laisse le compte supérieur à 50%. Voilà, il y a un arme des TP à 500%, on sait que c'est un PFC. Les plaquettes, elles sont un volume supérieur à 50 000. Ou qu'est-ce qu'il y a dans ma carrière, la fibrillaire, ça va saigner au niveau du cerveau. Laisse le volume supérieur à 100 000. Et enfin, la fibrillaire supérieure à 20. Mais pour tout. Le tout, on va donner surtout les objectifs hémodynamiques. Surtout. Ou les produits de remplissage. Il y a les quatre étapes. Geste d'hémostase, remplissage vasculaire, transfusion sanguine. On aura pris la ligne si les objectifs ne sont pas atteints. C'est ce qu'on veut. Non, c'est 10 ampoules de 8 mg, 4 ml. D'accord, généralement, on va mettre 3 ampoules, donc 48 ml. Et allez, ça nous fait 0,5 mg par cc. 0,5 mg par cc, c'est plus simple. On a 1 mg par heure. On a une vitesse 2. Il y a un mal de ça, c'est pour ça. Comme on retenait, nous, après la nuit, on commence par 1 mg par heure. Non, après la nuit, on va pas sur la qualité. Je dis, on va pas faire la nuit, vous deux sur la table. Allez, juste que je vous tape. Ben. Non. Là, c'est 10, 10. Je transfuse sur la qualité de couleur. 10. Bon, je dis que c'est 10. Ah, pas quelle taille de la nuit, ça, c'est 10 pour les constats. Alors, donc, je vais me garder quelques schémas, quelques images. Regarde le schéma. De la ligne médiane, effet de masse avec engagement. La cour d'eau. Elle est extra-dura. La cour d'eau. Ben, l'offre est un touche pour le traumatologique.